Raphaël, un jeune homme humble vivant dans une région rurale, n'a jamais eu la chance d'étudier ni de quitter la dure vie à la campagne. Mais tout a changé quand, avec son meilleur ami, il a décidé de tenter sa chance dans la grande ville. Lors d'un incendie dévastateur, Raphaël a risqué sa propre vie pour sauver une jeune fille inconnue. Cependant, ce jour-là, une tragédie inattendue a eu lieu. Dévasté par la douleur, il a refusé toute récompense en argent et a formulé une seule demande au père de la jeune fille, un homme d'affaires millionnaire. Ce que Raphaël a demandé a laissé le puissant entrepreneur en larmes. Raphaël a grandi dans un petit village rural, un endroit oublié par le temps et par la chance, où les maisons en terre battue et les toits de tôle résistaient sous le soleil brûlant. Là-bas, les jours s'étiraient entre le travail au champ et l'odeur de la terre humide. Bien qu'il fût si jeune, à peine 12 ans, Raphaël ressentait déjà tout le poids de la vie sur ses épaules. Mais au milieu des difficultés, il trouvait un refuge. Madame Lourdes, sa grand-mère, était le phare qui éclairait son chemin, une femme à la voix douce et aux cheveux blanchis par le temps, dont la présence irradiait une sagesse qui allait bien au-delà de tous les livres. Chaque soir, après les longues heures de labeur, Raphaël se blottissait aux côtés de Madame Lourdes sur la petite véranda en bois. Le vent faisait bruisser les feuilles des manguiers et l'obscurité de la campagne paraissait moins menaçante en sa présence. « Tu sais, mon fils, le monde est immense, plein de choses que l'on ne peut même pas imaginer. Tu peux être ici, mais ton esprit peut aller où il veut. Ce que tu vois avec le cœur, personne ne peut te l'enlever. » Raphaël écoutait chaque mot comme s'il s'agissait de magie. Dans ce village sans bibliothèque, où les livres étaient plus rares que la pluie, Madame Lourdes était sa porte vers l'inconnu. Quand la lune éclairait le ciel étoilé, elle lui racontait des histoires sur des villes où les immeubles étaient si hauts qu'ils touchaient les nuages, sur des mers d'eau cristalline et des endroits où les gens voyageaient dans des machines qui semblaient voler. Et Raphaël, bien qu'il n'ait jamais vu tout cela, sentait qu'il était capable de voyager loin, guidé par les mots de sa grand-mère. « Un jour, mamie, je visiterai ces endroits, je découvrirai le monde entier », disait-il, les yeux brillants d'un espoir que Madame Lourdes craignait que la vie lui arrache. « Oui, mon petit », répondait-elle avec un sourire doux. « Mais d'ici là, n'arrête jamais d'apprendre. Car la connaissance A, c'est le seul passeport que personne ne peut te refuser. » C'est ainsi, grâce à l'encouragement de sa grand-mère, que Raphaël a développé un amour insatiable pour l'apprentissage. Il faisait de son mieux pour suivre les rares cours donnés dans l'école improvisée du village. Même lorsqu'il devait travailler au champ, récoltant du manioc sous le soleil ardent, il gardait toujours un livre caché dans son sac, le protégeant comme un trésor. Un jour, Monsieur José, le voisin, l'avait vu lire pendant une pause sous un arbre et, fronçant les sourcils, lui avait demandé « Raphaël, pourquoi perdre ton temps avec ça? Ça ne va pas t'aider à remplir ton ventre. On a besoin de bras forts, pas de tête pleine de rêveries. » Raphaël avait pris une profonde inspiration. Sa gorge s'était serrée, mais il n'avait pas hésité. « Parce que quand je lis, Monsieur José, je me sens plus proche d'un endroit où les opportunités ne sont pas si lointaines. » L'homme avait secoué la tête comme s'il ne comprenait pas, mais n'avait rien ajouté de plus. Le rêve de Raphaël était comme un oiseau volant haut dans le ciel, mais la vie semblait toujours trouver un moyen de le ramener au sol. Et le coup était venu de manière soudaine et cruelle. Madame Lourdes avait commencé à tomber malade. D'abord, c'était une toux qui ne disparaissait pas, puis une faiblesse qui l'empêchait de se lever. En peu de temps, la femme qui incarnait autrefois la force et la tendresse n'arrivait même plus à raconter les histoires que Raphaël aimait tant écouter. Une de ces nuits, alors que sa grand-mère était allongée sur son vieux lit en bois, Raphaël lui tenait la main, sentant sa peau fine et froide comme du papier. « Mamie, ne t'en fais pas, je vais trouver un remède pour toi, je te le promets. » Les larmes coulaient sans qu'il puisse les retenir. Madame Lourdes, même avec la voix étouffée, força un sourire. « Mon fils, notre corps peut partir, mais nos rêves, eux, ne meurent jamais. Promets-moi, Raphaël, promets-moi de ne jamais cesser de rêver, quoi qu'il arrive, même si la vie tente de te rabaisser. » Raphaël acquiesça,
le cœur serré comme jamais. Comment pouvait-il promettre cela alors qu'il sentait déjà le sol se dérober sous ses pieds? Mais, la gorge nouée, il murmura « Je te le promets, mamie, je te le promets ». Mais quelques jours plus tard, lorsque Madame Lourdes s'en alla, emportant avec elle cette chaleur qui imprégnait la maison, tout sembla s'effondrer. La famille, déjà en lutte pour survivre, se retrouva complètement démunie. Le père de Raphaël, un homme de peu de mots et de nombreuses dettes, prit la difficile décision de retirer son fils de l'école. « On a besoin de toute l'aide possible, Raphaël. Sans ta grand-mère, on n'a plus le choix. » Et ainsi, Raphaël vit son rêve se refermer derrière des portes dont il n'avait pas la clé. Chaque matin, alors que ses rares amis allaient à l'école, il se dirigeait vers les champs, les mains salies par la terre et l'esprit noyé dans la tristesse. Cependant, à chaque pause, il regardait le ciel d'un bleu intense et répétait doucement pour lui-même « Promets de ne jamais cesser de rêver ». Mais chaque jour qui passait rendait cette promesse plus lointaine, plus douloureuse à tenir. Le temps est passé comme un souffle, et le garçon qui rêvait autrefois de lieux lointains est devenu un jeune homme de 18 ans, marqué par une vie de dur labeur. Raphaël se levait avant le lever du soleil et se couchait bien après que la lune ait disparu derrière l'horizon. La promesse qu'il avait faite à sa grand-mère de ne jamais cesser de rêver était enfouie quelque part en lui, étouffée par le poids des responsabilités. Après la disparition de Madame Lourdes, la famille s'était retrouvée encore plus affaiblie. Son père, courbé par les travaux des champs et par les factures qui s'accumulaient, semblait vieillir un peu plus chaque jour. La mère de Raphaël, toujours silencieuse, s'occupait de la maison et des plus jeunes, tandis que le frère cadet, Pedro, faisait de son mieux à l'école malgré les difficultés. Mais Raphaël n'avait pas eu le choix. À la mort de sa grand-mère, il avait dû abandonner ses études et accepter un travail à la plus grande ferme de la région, où il passait ses journées à travailler, sous le soleil ou sous la pluie. Le patron, M. Almeida, était un homme dur, au regard glacial et aux paroles tranchantes, qui traitait les travailleurs comme des rouages d'une machine qui ne devait jamais s'arrêter. Si quelqu'un tombait malade ou avait besoin d'un jour de repos, il était aussitôt remplacé. Aucune pitié, aucune compréhension. Pour lui, il n'était que des numéros. C'est dans ce contexte que Raphaël a rencontré Philippe, un garçon d'origine semblable, mais encore plus endurci par la vie. Philippe était mince et vif, avec une expression oscillant entre le rire et l'amertume. Au début, les deux jeunes hommes ne s'entendaient pas. Philippe pensait que Raphaël était trop naïf, qu'il perdait son temps et son énergie à rêver de choses qui n'arriveraient jamais. Un jour, pendant une courte pause déjeuner, Philippe l'avait vu feuilleter un vieux carnet et secouant la tête avait dit « Encore avec tes bouquins, Raphaël ? Tu vas me dire que tu essaies d'apprendre le français ou une autre de ces langues compliquées » plaisanta-t-il mi-sérieux, mi-rieur. Raphaël haussa les épaules et ferma le carnet avec précaution. « Si je ne garde pas mon esprit occupé, Philippe, je finirai par croire que cette vie ici est tout ce qui existe. Et je sais que ce n'est pas le cas. » Philippe resta silencieux un moment, observant son ami. Puis il laissa échapper un long soupir, en frottant ses mains calleuses. « Tu crois vraiment que ça changera quelque chose si tu apprends plus ? Toi et moi, on est destinés à passer le reste de notre vie ici, mon ami. La différence, c'est que moi, j'ai déjà accepté ça. » Raphaël voulut répondre, mais se retint. Au fond de lui, la flamme de ses rêves brûlait encore, même si elle était faible. Mais comment expliquer cela à Philippe, qui semblait résigné à ce que la vie lui offrait ? À partir de ce jour, Philippe commença à porter plus d'attention à Raphaël. Et petit à petit, il devint un véritable ami, quelqu'un en qui Raphaël pouvait avoir confiance, quelqu'un avec qui il pouvait partager ses silences et ses pensées. Entre deux coups de pioche, ils se mirent à parler de choses qui allaient bien au-delà des clôtures de la ferme. Philippe ne comprenait pas pourquoi Raphaël s'accrochait tant à son désir d'apprendre, mais il ne pouvait s'empêcher d'admirer la volonté inébranlable de son ami. Un après-midi, après une altercation avec le contremaître de la ferme, M. Almeida, les deux s'assirent, épuisés, à l'ombre d'un arbre. Philippe regarda Raphaël, encore haletant de colère, et dit « Pourquoi as-tu besoin de ces livres, Raphaël ?
ça ne changera pas la terre que tu dois cultiver. » Le chef de la ferme avait été rude, insinuant que Raphaël, avec toutes ses lectures et ses carnets, finirait par se révolter contre les patrons et apporter de mauvaises idées aux autres ouvriers. Et Philippe savait que plus Raphaël insistait à trimballer ses carnets partout, plus il devenait une cible. « Philippe, je ne peux pas accepter que tout cela soit tout ce qu'il y a. Je ne peux pas abandonner, pas tant qu'il reste une chance, aussi petite soit-elle, » répondit Raphaël d'une voix ferme. C'est à ce moment-là que Philippe comprit. Peu importe combien il prétendait être indifférent, il tenait à son ami. Il sentait, au fond de lui, que Raphaël était différent, qu'il avait quelque chose qu'il avait lui-même perdu depuis longtemps, l'espoir. Dans les jours qui suivirent, tandis qu'il labourait la terre ou empilait des sacs de grains, Philippe commença à poser à Raphaël des questions sur ce qu'il lisait. Et à sa grande surprise, il se retrouva intéressé, bien que réticent à l'admettre. Un après-midi, alors que le soleil commençait à disparaître derrière les montagnes, Philippe fit une annonce qui prit Raphaël de court. « Raphaël, je m'en vais. » Raphaël leva les yeux sans comprendre. « Comment ça? Tu t'en vas? Je vais tenter ma chance en ville. Ici, on va juste mourir fatigué et les mains vides. En ville, eh bien, au moins, il y a une chance que quelque chose de différent se produise. » Le cœur de Raphaël se mit à battre plus fort. La grande ville était quelque chose dont il avait toujours rêvé, mais qui, maintenant, paraissait hors de portée, lointain. « Et tu veux que je vienne avec toi ?» Philippe hocha la tête. « Bien sûr, seul, je n'aurai pas le courage, mais avec toi, on peut essayer. Là-bas, tu pourrais étudier, je ne sais pas, faire quelque chose avec tout ce que tu as appris. » La peur, la culpabilité et l'envie de rêver se mêlèrent en Raphaël. Il baissa les yeux, pensant à sa famille, aux promesses, aux responsabilités. Sa gorge se serra et il secoua la tête, incapable de donner une réponse. Philippe posa fermement sa main sur son épaule. « Si tu renonces pour nous deux. La seule chose que j'ai, c'est cette amitié. Ne m'abandonne pas, Raphaël. Pas ici, dans cet endroit qui nous détruit. » Raphaël savait que Philippe avait raison. Il savait que la vie ici ne ferait que devenir plus difficile et que, s'il n'agissait pas vite, il finirait par se résigner comme tous les autres. Il prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes, et, le cœur serré, il regarda son ami dans les yeux. « Je ne sais pas, Philippe, je ne sais pas si j'en suis capable, mais si tu pars, alors je viens avec toi. » Et avec ces mots, un pacte silencieux se scella entre les deux jeunes hommes. La décision était prise. La route de terre s'étirait devant eux comme un long chemin sans fin. Le vieux bus secouait à chaque nid de poule et chaque pierre, soulevant un nuage de poussière dans l'air chaud de l'après-midi. Raphaël et Philippe étaient assis côte à côte, le regard fixé sur l'horizon. Les quelques affaires qu'ils possédaient, emballées dans des baluchons de tissu, étaient empilées à leurs pieds. Il n'y avait plus de retour en arrière. La ferme appartenait déjà au passé, et la grande ville les attendait avec la promesse d'une vie différente. « Tu es prêt pour ça, Rapha ?» demanda Philippe, rompant le silence, la voix chargée d'anticipation et d'incertitude. Raphaël regarda son ami et prit une grande inspiration. Il y avait dans ses yeux un éclat nerveux, un mélange de peur et d'excitation. « Je suis prêt. Enfin, je crois que je le suis. » Philippe hocha la tête, un sourire se dessinant sur son visage marqué par le soleil et le dur labeur. « C'est ça, rien ne pourra nous arrêter. » Le paysage de l'intérieur du Brésil défilait à l'extérieur, des champs secs et des arbres clairsemés, avec quelques maisons isolées le long de la route. Les deux jeunes hommes avançaient avec l'espoir de trouver des opportunités qui n'avaient jamais existé dans leur région natale. Un instant, Philippe se tourna et observa Raphaël en silence, comme s'il voulait graver chaque trait de son ami dans sa mémoire. « Une fois qu'on sera là-bas, je trouverai un travail, peu importe quoi. Mais toi, Raphaël, toi, tu continueras tes études. Tu m'entends ? Parce que cette tête-là mérite mieux que de se perdre dans de vieux cahiers. » Raphaël sourit, mais avant qu'il ne puisse répondre, le bus prit un virage brusque, les forçant tous les deux à se cramponner au siège pour ne pas tomber. « Qu'est-ce qui se passe ? » s'exclama Philippe,
tandis que le véhicule s'arrêtait soudain au milieu de la route. Le conducteur ouvrit la petite fenêtre donnant sur le couloir et cria « Incendie ! On dirait qu'une maison brûle juste devant !» Les passagers se levèrent, jetant des regards curieux par la fenêtre. Raphaël et Philippe se regardèrent et sans hésiter descendirent en courant du bus. À quelques mètres de là, une maison en bois était dévorée par les flammes, une épaisse fumée noire s'élevant rapidement vers le ciel. « Mon Dieu !» murmura Raphaël hésitant. La chaleur était intense et les flammes, voraces, des cris étouffés résonnaient de l'intérieur de la maison, tandis que le craquement de la charpente résonnait comme un grondement de tonnerre à leurs oreilles. Philippe ne perdit pas une seconde. « Suis-moi » cria-t-il, courant déjà vers la maison. Raphaël tenta de saisir le bras de son ami, mais Philippe se dégagea et continua de courir. « Attends, Philippe !» appela Raphaël, le cœur battant la chamade, les pensées confuses. Il voulait aider, mais la peur le clouait sur place. Et s'il leur arrivait quelque chose? Et si les flammes les consumaient avant qu'ils ne puissent sortir? Mais Philippe ne se retourna pas. Avec une force inattendue, il enfonça la porte et se précipita dans la fumée. Raphaël retint son souffle une seconde, puis courut à sa suite. À l'intérieur, l'air était épais et suffocant. La chaleur les enveloppait comme un manteau oppressant, et la fumée faisait pleurer leurs yeux. Raphaël ne distinguait que des ombres, tandis que des cris de panique venaient de quelque part plus loin. Lorsque ses yeux s'habituèrent à l'obscurité, il aperçut Philippe se pencher auprès d'une jeune fille inconsciente au sol. « Aide-moi ici !» cria Philippe, la voix étouffée par l'effort de respirer. Raphaël se précipita et ensemble, ils parvinrent à soulever la jeune fille. La fumée s'insinuait dans leurs poumons, rendant chaque mouvement douloureux. Philippe passa le bras de la fille sur ses épaules et tenta de se relever avec elle, mais un craquement retentit dans le plafond. « Attention !» hurla Raphaël, poussant Philippe en arrière au moment précis où une poutre de bois s'effondra entre eux, bloquant la sortie par laquelle ils étaient entrés. Philippe regarda Raphaël avec panique, tandis que celui-ci, de l'autre côté de la poutre, essayait désespérément de tirer la jeune fille inconsciente. « Philippe !» cria Raphaël, la voix tremblante. Il ne savait pas quoi faire, comment réagir. Il tenait la jeune fille dans ses bras, cherchant une issue. Philippe regarda autour de lui, cherchant une autre sortie, et hurla. « Sors d'ici, Raphaël, emmène-la !» Il toussa, suffoqué par la fumée, et recula d'un pas. « Non, on sortira ensemble !» protesta Raphaël, la gorge nouée. Mais Philippe secoua la tête avec force. « Impossible ! Passe par la fenêtre avec elle ! Je vais essayer de sortir par l'arrière !»« On n'a pas le temps, Rapha !» Les mots sortaient à peine, hachés par des quintes de toux. « Va-t'en, maintenant !» Philippe se retourna et disparut dans la fumée, laissant Raphaël figé sur place pendant un instant. Puis, sans autre choix, il courut avec la jeune fille dans ses bras et se dirigea vers la fenêtre la plus proche, sentant la chaleur des flammes s'intensifier tout autour de lui. Dehors, après avoir posé la jeune fille en sécurité sur le sol, Raphaël se retourna vers la maison, prêt à courir pour essayer de secourir son ami. Mais c'était déjà trop tard. La maison était complètement en feu. « Philippe !» cria-t-il, essayant de localiser son ami. Il tenta de faire un pas en avant, mais les gens rassemblés autour de lui le retinrent. « Il n'y a plus rien à faire, mon garçon !» dit quelqu'un, la voix se mêlant au bruit assourdissant du feu. « Philippe !» cria-t-il encore, les larmes se mêlant à la sueur et à la suie, les genoux fléchissant sous le poids du désespoir. Le crépitement des flammes était assourdissant et l'odeur de bois brûlé et de fumée semblait étouffer Raphaël. Les cris étouffés de Philippe résonnaient dans son esprit comme un cauchemar dont il ne pouvait s'échapper. Il continua d'appeler son ami, même s'il savait, au fond de lui, que Philippe ne pouvait plus l'entendre. Les yeux écarquillés, Raphaël regarda impuissant la maison s'effondrer, se transformant en cendres et en souvenirs. Quand les pleurs de la jeune fille dans ses bras le ramenèrent à la réalité, il la serra plus fort et sentit ses jambes faiblir. Les gens couraient dans sa direction, appelant à l'aide. Au milieu du chaos, Raphaël fut emmené avec la jeune fille à l'hôpital le plus proche. Bien qu'il soit soigné et pris en charge, son esprit était ailleurs,
fixé sur l'image des flammes et la promesse qu'il avait faite à Philippe. Il avait perdu son ami, perdu le frère qu'il avait choisi. Et désormais, il ne lui restait que le poids de cette promesse et le son des cendres retombant là où tout s'était terminé. Les jours passés à l'hôpital étaient longs et silencieux. La douleur de la perte de Philippe pesait bien plus lourdement que les brûlures et les blessures dont son corps souffrait. Raphaël se reprochait chaque minute. « J'aurais dû faire plus, j'aurais dû rester avec lui », pensait-il. Encore et encore. C'est un matin calme que tout changea. Une infirmière entra dans la chambre et lui annonça que quelqu'un voulait le voir. Raphaël n'était pas prêt à recevoir des visites, mais lorsque la porte s'ouvrit, un homme entra d'un pas ferme. Il portait un costume impeccable et arborait une expression grave. Raphaël reconnut son visage vu dans les journaux locaux. C'était Monsieur Santos, un homme d'affaires bien connu dans la région. Mais Raphaël ignorait pourquoi il était là. « Tu es bien Raphaël ?» demanda l'homme. Raphaël hocha la tête sans dire un mot. « Je m'appelle Ernesto Santos. Je suis le père de la jeune fille que tu as sauvée de l'incendie. » Raphaël sentit son cœur se serrer. Il avait sauvé la fille de cet homme. Mais à quel prix ? Philippe était mort. Monsieur Santos prit une profonde inspiration et sortit une enveloppe épaisse de la poche de son veston, la posant sur la table près du lit. « Je suis venu te remercier. Tu as risqué ta vie pour sauver ma fille. Et je n'arriverai jamais à exprimer combien cela signifie pour moi et ma famille. Je voudrais que tu acceptes cela comme un modeste geste de gratitude. » Raphaël regarda l'enveloppe, sachant très bien ce qu'elle contenait. De l'argent. Beaucoup d'argent probablement. Mais tout ce qu'il ressentait, c'était le vide. L'argent ne ramènerait pas Philippe. D'une voix brisée et les yeux remplis de douleur, Raphaël secoua lentement la tête. « Je ne peux pas accepter ça. » Monsieur Santos fronça les sourcils perplexes. « Pourquoi ? Tu le mérites, mon garçon. Tu as sauvé la vie de ma fille. Je sais que cela ne compensera pas ce que tu as perdu, mais... » Raphaël serra les poings, sentant les émotions déborder. « Aucun argent ne ramènera mon ami. Ce que je veux, ce qu'il voulait, c'était une chance de changer notre vie. » L'homme d'affaires resta silencieux, observant le jeune homme devant lui. « Qu'est-ce que tu veux alors ?» demanda Monsieur Santos, sincèrement intéressé. « Dis-moi, que puis-je faire pour toi ?» Raphaël prit une grande inspiration, cherchant les mots justes. Il pensa à Philippe, à toutes les conversations qu'ils avaient eues sur leur rêve d'un avenir meilleur. Philippe avait toujours cru en lui, cru que Raphaël pouvait être bien plus qu'un simple ouvrier agricole. « Je veux juste étudier, je veux aller à l'université, devenir quelqu'un qui puisse rendre hommage à ce que mon ami a fait pour moi, à ce qu'il pensait que je pouvais devenir. Si vous pouvez m'aider pour ça, ce sera plus que suffisant. » Le silence dans la chambre était lourd. Monsieur Santos resta à regarder Raphaël, absorbant chacune de ses paroles. Il s'attendait à ce que le garçon demande n'importe quelle somme d'argent, qu'il veuille un moyen de recommencer sa vie ou de subvenir aux besoins de sa famille. Mais cette demande était complètement différente. Il y avait de l'humilité et de la force dans les paroles de Raphaël. Et à cet instant, l'homme d'affaires comprit que le jeune homme en face de lui avait une détermination peu commune. « Tu me touches, mon garçon. Je vais faire plus que ça. Je vais financer tes études, mais je veux aussi te donner le soutien nécessaire pour te permettre de vivre pendant ta formation. » Raphaël regarda l'homme, stupéfait, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. « Vous êtes sérieux ?» Monsieur Santos se leva, touchant légèrement l'épaule du jeune homme. « Je le suis. Et tu sais pourquoi ? Parce que ce que tu as demandé n'était pas pour toi. C'était pour honorer la mémoire de ton ami. Et ça, c'est quelque chose qui mérite tout mon respect. » D'un signe de tête silencieux, Monsieur Santos quitta la chambre, laissant Raphaël seul avec ses pensées. Quelques semaines plus tard, plus fort, Raphaël décida de rendre visite à la tombe de Philippe. Le cimetière se trouvait sur une petite colline, entourée d'arbres qui oscillaient doucement sous la brise. Il s'agenouilla devant la simple pierre tombale où le nom de son ami était gravé et laissa les larmes couler à nouveau. « J'ai promis de donner un sens à tout ça et maintenant je suis là, Philippe, » murmura-t-il, la voix brisée. « Je le fais pour nous deux. Je vais continuer. Et je porterai avec fierté tout ce en quoi tu croyais que je pouvais devenir. »
Aussi douloureuse que fut l'absence de Felipe, Raphaël sentit une légère paix l'envahir à cet instant, comme si son ami était là, d'une certaine manière, l'encourageant à aller de l'avant. Avec le cœur chargé d'émotions et un avenir nouveau devant lui, Raphaël savait que le voyage ne faisait que commencer. Si vous avez aimé l'histoire, merci de laisser un like sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et cette vidéo qui apparaît à l'écran maintenant va sûrement vous émouvoir aussi. Il vous suffit de cliquer et de vous laisser emporter par l'émotion. Merci et passez une excellente journée.